Hey guys this is justin from the arsine coffee youtube channel and facebook page as always if you haven't had a chance to do so please consider supporting us by subscribing to the youtube channel and signing up to the facebook pages without further ado uh, today will be a very short video um, there's a gentleman one of the, my viewers called kashif uh, online um, who requested a french version of the previous video that i made however prior to, to diving into this i wanted to show you something so remember uh, we were talking about the LC80 um, earlier this week, and uh, some transmission issues that uh, I've been having. Well, they were not issues in the sense that they're not—it's not broken. But um, essentially, my motor mount was not uh, properly made, which caused the transmission to slip slightly. Uh, when looking into this and doing some research, I realized that the transmission uh, was a very weak one. Um, I've had issues sourcing it. I've been um, contacting a bunch of vendors, and nobody seems to be carrying this. I'm gonna reach out directly to um, to um, RC Run uh, uh, shortly. Now that uh, the email has been sent to me by the administrator of the Run Eight, the Run Eighty. Um a Facebook page uh, Ian, I believe. Uh, thank you very much, Ian, for that. Uh, long story short, the first thing that I wanted to talk about is an alternative to this transmission. So this alternative was already done uh, by a gentleman on the uh, Run80 80, Run 80, um, uh, Facebook page. Um, however, he hasn't reached out uh, to to me um, uh, with regards to a few questions I had. So as you can see, the transfer the transfer case is a separate piece from the. Um, the rest of uh, the transmission here and there's a bunch of holes here uh, and you can bolt on well anything assuming that it fits of course uh, anything to it it's 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 a normal transfer case and um, what this gentleman did he paired it up with a planetary gear or a gear reduction reduction unit uh, whichever no matter how you want to um, you want to call this uh, which essentially looks like this so it's in the back apologize sorry a bit hard to, to see so there you go so it kind of looks like a tiny motor there's a shaft at the front and um, that uh, um, you know round shaped thing which basically um, is the housing for the gears now what this thing does if you're if you're not familiar um, it takes it takes the power it's paired to the motor the motor is connected um, to it uh, i think on this end here and um, it basically reduces the speed of the motor by a certain ratio. This one is a three-to-one, which means that uh, it takes the motor for every three turns that the motor make makes rather, um, it translates into one turn uh, on the gear reduction unit's shaft. All right, so reduces the the speed by three. That's a simple way to see it. So essentially, what you would do in this case, um, you would have your motor sitting here, like so, your gear reduction unit paired to the motor, like so, and the shaft of the gear reduction unit going into the T case. Um, the one thing you want to you want to look at when you buy a gear reduction unit, and by the way, that's a very sh cheap alternative to getting a, a new transmission, if you could even source one. Um, you got to make sure that it's for either for five hundred and forty or five hundred and fifty can, so your, your your size of can does matter, and obviously uh, make sure that the, the you know the size of the shafts um, you know is compatible. So this shaft here, this shaft the shaft there and that uh, you can get uh, you have a proper pinion to connect uh, to the t case there so you got to make sure that everything is compatible um, so that's the one thing that i wanted to talk about uh, now to the french uh, version of the previous video je vais commencer par traduire uh, ce que je viens d'expliquer essentiellement um, il y a uh, un des, des abonnés Du, de la page Facebook euh, RC Run qui a une excellente idée et c'était tout simplement de remplacer euh, la transmission par une euh, unité euh, de, je, non, ça en français, mais de, de réduction. En gros, ce que ça fait, cette unité là, c'est que ça, prend, ça se connecte au moteur, le moteur est connecté à droite et ça démultiplie euh, le, en fonction d'un ratio. Ce ratio, c'est 3, 3, euh, 3 tours pour 1, donc 3 sur 1. Donc 3 tours de moteur se traduisent en un tour euh, ici de je crois de, de, de Ville là euh, je n'ai pas trop la terminaison pour ça ici, donc euh, trois tours de moteur un tour ici, donc ça réduit la vitesse euh, de 3, donc un peu le, le, le même effet dans le fond qu'une qu transmission simplement ça a des ça a des, euh, voyons, des, des, des pignons et des, des engrenages de très petite taille, euh, je ne sais pas si vous pouvez voir ici voilà, c'est quand, quand même très petit, et puis ensuite donc vous avez le moteur, vous avez l'unité de réduction et elle va ensuite se connecter, boum, dans votre euh, votre euh, boîte de transfert ici. Donc voilà. Alors pour revenir à la discussion de la dernière fois, euh, j'avais mis, j'avais complètement terminé euh, euh, de mettre l'électronique sur cette, euh, sur ce camion. Tout était, tout était en place. J'avais installé tous mes câbles euh, bien proprement et puis j'ai fait les premiers tours de roue. Et c'est là que je me suis rendu compte que la transmission glissait légèrement. C'était subtil, mais c'était, c'est quand même, euh, ça, ça, ça se voyait quand même. Au début, je me disais bon, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'était une question de programmation euh, du ESC? parce que j'ai utilisé une fonction que j'utilise pas habituellement. Je sais pas si vous pouvez voir, ça s'appelle free wheeling. D'après ce que je comprends et peut que je me trompe là-dessus, c'est un peu comme un euh, un espèce d'autopilote et donc ça garde euh, la même vitesse, si je, je crois comprendre, ça, ça devrait garder un peu la même vitesse euh, en fonction de là où euh, du positionnement de votre doigt. Mais enfin bref, donc je me disais -ce que c'est peut-être ça, mais non, ce n'était pas le cas. C'est en fait euh, le moteur qui était mal ancré... Euh, euh, ouais, non, sur, euh, voilà, sur... Euh, sur l'espèce d'arceau ici, et euh, donc il bougeait, et ça créait un glissement. Donc rien de... de c'est pas un gros problème. Par contre, quand j'ai fait une petite recherche sur la transmission en question, je me suis rendu compte que c'est le talon d'Achille de, de ce, de ce, de ce kit-là, de ce châssis. Euh, j'ai beaucoup de mal à trouver une transmission de remplacement, j'ai contacté de nombreux vendeurs sur AliExpress, j'ai contacté également ejatease.com qui est un, un site web, je ne sais pas si vous connaissez, de, 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 de hobby, euh, ils n'en ont pas, mais ils vont essayer de se tourner vers leurs vendeurs. Et puis moi, je vais également contacter, euh, euh, voyons, euh, euh, RC Run euh, afin de voir s'ils en ont. Donc, euh, donc voilà pour ça, euh, la transmission qui apparemment est un problème. Et puis je cherchais des alternatives. Une de ces alternatives, c'est peut-être installer une transmission de GCM Racing, euh, un, constructeur, un, un constructeur canadien qui fait des transmissions euh, et des châssis euh, d'excellente qualité, ou alors d'utiliser cette unité de réduction euh, telle que discutée. Euh, sinon, euh, le, le, le châssis en tant que tel, alors de quoi est-ce qu'on avait discuté déjà euh, la transmission est extrêmement bruyante. Euh, ça me fait penser à un Redcat Genet de première génération. C'est assez, assez frappant. Euh, puis je, je dis pas que la, la transmission du Genet n'est pas bonne. Simplement, elle est pas très raffinée. Elle fait beaucoup de bruit. Bah, celle-ci, c'est à peu près 10 fois plus. Euh, donc ça, c'est un truc à, à garder en tête. Euh, au niveau du câblage, j'ai réussi à tout installer sous le capot malgré le fait qu'il qu y a le moteur. Hein, il, a, il prend beaucoup de place. Et puis moi, j'ai quand même, euh, comment dire, c'est euh, Ces espèces de, de, de. les arches de roue ici qui prennent quand même de, pas mal de place. J'ai réussi, en fait, euh, j'ai soudé euh, un câble d'extension euh, que j'ai fait euh, euh, qui, 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 qui est le long du, des longerons. Et en gros, j'ai une petite pile ici, euh, voilà, petite pile qui euh, sera placée en guise de réservoir euh, en arrière. Puis ça permettra également de, de réduire les masses. Euh, en ce qui a trait, les petites, euh, les, les, les mauvaises découvertes, si je puis mettre comme ça, euh, l'accès à la transmission, c'est assez catastrophique. Alors, les, les, les vis pour, euh, qui tiennent les deux morceaux de la transmission ensemble, donc euh, ça, c'est le... C'est le deuxième morceau, ça se ferme un peu comme une huître, euh, sont trop courtes et donc il faut aller chercher ça avec des pinces, euh, pas super pratique. Euh, et puis donc, ils auraient tout simplement pu nous donner des vis euh, plus grandes. L'autre chose qui n'était pas évidente, c'est que euh, vous avez cette espèce d'arête dorsale le long, de, le long de la transmission, là où, où est mon pouce, et puis euh, le, le, petit, euh, le petit truc ici là, en métal est en fait euh, euh, l'espèce de plot sur lequel se positionne. Attendez, voilà. Le, 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 espèce de faux, le faux chapeau, euh, le, le capuchon là pour l'huile. Désolé, ça m'a un petit peu du mal à... Voilà, exactement. Et donc c'est très embêtant, c'est qu'en gros, euh, on doit quasiment arracher le truc euh, pour pouvoir euh, ouvrir et séparer la transmission, donc c'est pas terrible. Si jamais le moteur pète, c'est quand même très embêtant. Euh, j'ai déjà eu une casse au niveau, puis j'ai possible comme ça, au niveau de... Euh, comment dire de, de, de la plaque d'une des plaques, il y a deux plaques sur le côté qui tiennent, le, qui soutiennent la transmission. Bon, il y en a une de cassée. Euh, bon, le moteur bouge pas. Enfin, le moteur et la transmission ne bougent pas parce que ici, il euh, y, y a deux vis qui elles sont vissées euh, sur cette plaque euh, euh, ici. Et puis j'ai encore celle de gauche là qui tient. Donc ça, ça va. Euh, niveau suspension, vous avez quand même un nombre assez impressionnant euh, de, de réglages possibles. Donc euh, attendez. voilà. Ça, c'est la suspension avant. Elle se présente comme ça quand vous la voyez sur le côté. Donc vous pouvez euh, normalement... Euh, voilà, la suspension, l'amortisseur se connecte ici dans ce trou en haut. Mais vous pouvez techniquement euh, utiliser un, un système de suspension euh, normal. Euh, vous mettez un petit peu... Euh, vous, met, vous mettez... Enfin, mettez un moins de faire de l'espace là entre... entre euh, cette pièce et puis euh, l'amortisseur. Et vous devrez être en mesure d'installer des des amortisseurs euh, normaux euh, et puis parce que ceux-ci n'ont pas d'huile hein, c'est des, des amortisseurs à friction donc voilà pour ça et puis comme vous pouvez voir j'ai installé mon le, mon vario sur euh, sur le cerveau voilà donc ça ça se fait. Et puis j'ai réglé le vario pour, pour acheminer 7.4 volts 7,4 volts pardon, sur le cerveau pour un peu plus de puissance. Ça fonctionne très bien parce que quand même, il faut le dire, ce châssis a énormément de poids sur le nez. Chose que euh, ce petit truc-là pourrait probablement régler. En tout cas, je pense que j'ai plus ou moins couvert l'entièreté de la discussion de l'autre fois. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à m'écrire sur Facebook, RC YouTube. Euh, euh, enfin, je, Facebook, euh, YouTube, euh, ce que vous voulez, Messenger. Et puis euh, voilà, ça me fera plaisir de regarder si je peux vous aider. Merci, bonne soirée.